Bonjour à tous, merci d'être venus. Donc je m'appelle Ishan Bojwani et je travaille à la direction interministérielle du numérique de l'État dans un service qui s'appelle beta.gouv.fr. On va vous parler aujourd'hui de l'intérêt de l'ouverture des données dans un secteur particulier qui est celui des transports et on va vous expliquer comment en fait grâce à ces données, on va pouvoir faciliter les déplacements des usagers, des citoyens, des touristes pour dans leur, dans leur trajet de A vers B. Et donc je vais laisser peut-être mes, mes trois comparses aujourd'hui se présenter. Alors c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on a à la fois des acteurs publics et des acteurs privés, donc des personnes qui produisent de la donnée et des personnes qui vont réutiliser de la donnée. Et, euh, et donc je vais laisser d'abord peut-être Sarah, euh, qui représente Nantes Métropole, se présenter. Bonjour à tous, donc Sarah Guillet, euh, je travaille à Nantes Métropole, euh, je travaille au département de déplacement de Nantes Métropole. Dans ce département des placements, on a trois directions, la direction de la stratégie et des études, la direction des investissements et la direction des services de mobilité à laquelle j'appartiens. Et dans cette direction des services de mobilité, je suis dans un service qui s'appelle le service activateur des changements de comportement. Et donc je m'intéresse à la donnée en particulier parce que je m'occupe du système d'information multimodale destiné au titre de Nantes Métropole qui est un système d'information multimodale porté par la région Pays de la Loire, qui existe depuis 2006 et qui permet de faire du calculateur d'itinéraire multimodal, entre autres. Donc bonjour à tous. Euh, donc pour ma part, je suis Benjamin Bertel. Je travaille pour Keolis Rennes, euh, qui est l'opérateur du réseau Star de Rennes. Euh, C'est le réseau euh, bus, métro vélo covoiturage euh, de Rennes Métropole que Keolis exploite dans le cadre d'une délégation de services euh, Donc Mon métier en particulier autour de la donnée, euh, je suis donc euh, responsable du projet d'ouverture des données euh, transport euh, de, de Keolis Rennes pour le compte de Rennes Métropole euh, et j'ai donc à ce titre euh, bah, participé depuis 2010 euh, à, à l'ouverture des données de, de transport euh, avec pas mal d'étapes et on, on sera certainement amené à en reparler. Euh, pour que, eh bien, on puisse ouvrir les données de transport au plus grand nombre, euh, les données qui sont bien au départ les données de notre autorité organisatrice, euh, au plus grand nombre, que ce soit eh bien, des développeurs indépendants, euh, des plus gros réutilisateurs, des statisticiens peut-être, euh, mais aussi parfois des, des plus grands acteurs, euh, plus industriels. Merci pour, pour la transition. Euh, Mathieu Richard, moi je travaille dans une entreprise globale. Euh, donc je représente un peu le, le secteur privé euh, sur, cette, euh, sur ce panel. Euh, L'entreprise, c'est EAR Technology. On, on est un acteur majeur dans, global euh, sur, sur, sur le monde entier euh, dans tout ce, qui, euh, tout ce qui est système de, de, de navigation. Euh, initialement, plutôt sur, sur le routier, mais de plus en plus, euh, on se tourne vers, vers d'autres types de, de déplacements et modes de transport. Euh, pour ma part, je, mon métier, c'est de, de me rapprocher de tous les producteurs ou tous les propriétaires d'informations qui peuvent être intéressantes pour nous en termes de, de transport, euh, de réfléchir à des partenariats, de, de, de travailler tout, autour de, autour de l'acquisition de données plus généralement. Euh, donc voilà, on, on est amené à, à intégrer euh, tout un tas d'informations qui peuvent intéresser euh, au final l'ensemble des usagers de, des transports. Donc, moi je vais peut-être expliquer rapidement ce que je fais dans cette direction du numérique. Nous, on travaille avec le ministère des Transports sur la construction d'une plateforme nationale, une plateforme qui s'appelle le point d'accès national aux données transport. Donc, c'est transport.data.gouv.fr. Vous pouvez aller voir si vous le souhaitez. Et cette plateforme, en fait, elle a vocation à réunir l'ensemble des, des agglomérations, des autorités organisatrices de mobilité, l'ensemble des opérateurs de transport du type Keolis, mais aussi euh, les, les filiales de Transdev, euh, RATPDev, etc. etc. et euh, les réutilisateurs de données, donc euh, des développeurs indépendants, mais aussi des, des, des entreprises privées qui réutilisent la donnée euh, pour les mettre à disposition euh, des usagers. Fait, on, on essaye de centraliser l'ensemble des données de transport en France, de les référencer en tout cas, pour faciliter leur réutilisation. Et donc, de quelles données, données parle-t-on aujourd'hui Juste pour bien clarifier les choses, on parle de données relatives à ce qu'on appelle l'information voyageur. Euh, donc euh, voilà, nous on est depuis quelques, quelques années, enfin euh, quelques, quelques mois, euh, dans, dans le cadre de la Direction internationale du numérique, on travaille euh, euh, au référencement à la pêche euh, aux données euh, transport qui concernent donc les, les horaires théoriques de vos réseaux de bus, de métro, de, de, de tram, euh, qui concernent les points d'arrêt, donc quels sont les, où sont les stations en France, euh, qui concernent en fait à peu près tout ce qu'on peut retrouver sur une fiche euh, imprimée euh, euh, sur les arrêts de bus euh, ou un écran SNCF. Dans une gare. Pourquoi est-ce que euh, ces données sont importantes pour vous euh, Donc, que ce soit pour une métropole, que pour Nantes Métropole, que ce soit pour un opérateur de transport comme comme Keolis, ou que ce soit pour une entreprise privée. À quoi, à quoi servent À quoi servent ces données et à quoi servent l'ouverture de ces données Alors, ces données-là, euh, pour nous en tant que métropole, elles sont importantes parce que euh, quand on construit des services de mobilité. Euh, on les construit pour répondre à une politique de déplacement qui est voulue par, par nos politiques. Et donc, là, l'objectif principal de la métropole, c'est de rendre la ville plus facile et euh, de construire une ville apaisée. Donc, euh, l'idée, c'est de mettre à disposition l'information euh, des utilisateurs pour qu'ils se déplacent facilement et dans des bonnes conditions. Donc, l'idée, c'est euh, d'utiliser sa voiture si on en a vraiment besoin et si on ne peut pas l'utiliser ou si on peut s'en passer, trouver d'autres moyens de se déplacer et du coup avoir accès à l'information pour utiliser ces modes de transport. Euh, Aujourd'hui, euh, par Destinéo, on a essayé de regrouper pas mal d'informations. On a commencé par le transport public parce que c'est ce qui était plus facile et puis parce qu'on était déjà 19 réseaux à, à se regrouper dans le, le, le partenariat régional. Donc, il fallait partir sur des outils et des services qui étaient faciles à partager. Mais l'idée, c'est d'ouvrir sur d'autres mobilités. Donc, comme disait Benjamin, à Nantes Métropole, c'est pareil on fait du transport public, mais on fait aussi du vélo, du covoiturage. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir l'ensemble de ces données et qu'un utilisateur il puisse choisir au moment précis où il se déplace est-ce qu'il va utiliser tel ou tel mode Parce que c'est ce qui va lui convenir à ce moment-là. Alors, pour rebondir, donc là, on a typiquement, alors c'est bien, c'est la même chose à Rennes, hein, un petit peu le, la commande de l'autorité organisatrice, c'est bien de faire en sorte que les usagers euh, bien adoptent une mobilité plus douce qui laisse souvent la voiture à la maison au profit, encore aujourd'hui, classiquement plutôt du bus, du métro, du tramway. Euh, et le rôle de l'opérateur, eh ça va être eh bien, de répondre à cette commande pour que l'utilisateur puisse en effet le faire. Euh, le travail il est multiple, évidemment. Il y a le travail classique de l'opérateur de, 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 de concevoir l'offre où est-ce qu'on met des arrêts, où est-ce qu'on met des lignes. Voilà, c'est un métier classique depuis des dizaines et des dizaines d'années. Euh, de la mettre en musique en mettant des véhicules et chauffeurs, c'est la même chose. Mais maintenant, une fois qu'on a fait tout ça, évidemment, il faut remplir nos véhicules euh, avec eh bien, une information qui est disponible pour les voyageurs pour qu'ils aient une chance de monter dans ces véhicules et de les remplir. Donc euh, on a, comme toujours et depuis très longtemps, des médias papier, euh, depuis un peu moins longtemps, des sites Internet, puis des applications mobiles euh, qui permettent aux utilisateurs de s'informer sur les possibilités pour se déplacer autrement qu'en voiture, et ainsi répondre aux objectifs de, de la métropole et aussi, évidemment, de l'opérateur euh, de, de transport. Et puis, euh, tout le souci de, de ça, Alors, dans cette salle, j'imagine que très peu de gens euh, viennent de Rennes. Euh, J'espère que le jour où vous viendrez à Rennes vous utiliserez les, les transports en commun. Euh, mais pour ça, euh, aussi bonne soit la qualité de notre application l'appli. je suis persuadé que 90% d'entre vous ne la téléchargeront pas, et c'est bien normal. Et donc nous, notre objectif, c'est d'ouvrir les données pour qu'à un moment donné, quel que soit euh, derrière le moyen d'y accéder, euh, il y ait une chance que chacun d'entre vous, à un moment donné, sur son application tierce ou son application d'un grand groupe, retrouve euh, les données de notre réseau pour avoir une chance de vous capter en tant qu'utilisateur du réseau Star, et que vous laissiez éventuellement votre voiture dans un parking relais et que vous n'encombriez pas le centre-ville et que vous puissiez profiter d'une mobilité, mobilité douce. Et donc c'est tout l'intérêt d'ouvrir ces données, c'est de faire en sorte que tout à chacun puissent euh, y avoir accès, quel que soit le, le moyen. Et après, quel est le moyen Eh bien, nous, en tant qu'opérateurs, quelque part, on propose une application qui est un moyen, et on laisse euh, à d'autres personnes, des développeurs indépendants et des grands groupes, la possibilité de se réapproprier ces données pour ensuite les diffuser au, au plus grand nombre. Alors, attends, j'ai peut-être juste une question pour, euh, pour le public aujourd'hui. Qui euh, a l'application StarRen euh, téléchargée sur son téléphone, sur son smartphone Bon, elle, elle est de très bonne qualité, je vous assure, pourtant, mais, mais c'est normal, c'est normal. Qui a euh, l'application Nantes dans ma poche, euh, téléchargée euh, sur son smartphone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, et toi aussi, j'espère, 14 D'accord, très bien. Et qui a Google Maps ou Apple Maps euh, téléchargé sur son, sur son smartphone bon, Presque tout le monde. Mais en fait, c est, c est, euh, ces applications-là, euh, on se rend compte bien vite que ces trois applications, hein, que ce soit Rennes, que ce soit euh, Nantes dans la poche, ou que ce soit Google Maps ou Apple Maps, bon, c'est des applications qui donnent la même information finalement ou qui ont vocation à donner la même information sur le transport public euh, et donc on voit euh, que ce soit pour Keolis Rennes euh, ou pour Nantes Métropole l'intérêt à diffuser au maximum euh, cette information voyageur euh, dans les supports qu'utilisent euh, la plupart euh, la plupart des usagers euh, du coup peut-être avoir le point de vue de hier Technologies qui ouais. donc, je rebondirai sur l'intérêt. Sur Ta question de, de, de départ, c'était à quoi, à quoi nous sert ce type de données Nous, en tant qu'éditeurs de, de solutions de mobilité, c'est vrai que la, 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 la façon centralisée d'avoir accès à cette information-là, elle est, elle est vraiment primordiale, puisqu'en fait, on représente un acteur global. Donc, on a environ plus de 150, 150 villes qui sont, qui sont équipées de ce type d'information transport en commun, mais ça représente plus de, plus de 1500 sources d'informations. Donc du coup, on est toujours amené, on s'est tourné depuis très longtemps sur, autour des concepts. Là, on parle de données, donc d'open data. Euh, c'est aussi pour nous euh, l'occasion d'établir de, 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 des partenariats avec les opérateurs de transport, euh, les différentes AOM. Alors du coup, on va pouvoir, on va pouvoir parler de l'intérêt de l'initiative Point d'accès national. Euh, pour nous, c'est l'occasion d'avoir un, une porte d'entrée euh, unique. Euh, et de travailler sur la, la mutualisation d'informations, euh, la notion de pot commun qui va qui va être qui va être très très importante pour nous. Voilà, le, le, une des grosses ambitions à la fois du ministère des Transports et de la direction du numérique sur ce point d'accès national, c'était effectivement de pouvoir faciliter la réutilisation de ces données. Jusqu'à présent, les données sur chacun des réseaux, il y a 330 réseaux de transport urbain en France, plus des réseaux régionaux, plus les réseaux nationaux, les cars Macron, etc. etc. Et jusqu'à présent, ces données étaient éparpillées sur une dizaine, une vingtaine, une cinquantaine de plateformes régionales, de sites de mairie, de sites d'agglomération et on s'est dit qu'on allait essayer de, 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 de pousser pour qu'il y ait une information voyageur nationale partout de bonne qualité que qu'on soit à Paris, qu'on soit à Nantes ou à Cahors, il, faudra, il faut qu'on pousse la mise à disposition de cette donnée relative au transport public dans un premier temps mais aussi plus tard sur le transport privé. Justement je parlais de la qualité de la donnée c'est un, un enjeu qui est assez important alors que Très rapidement, euh, si euh, on met des données de transport en open data, euh, il faut bien qu'à un moment donné, euh, l'information soit bonne. Euh, parce que plus on diffuse la donnée, plus il y, y a des usagers hein, qui, vont, qui vont utiliser cette donnée. Euh, et justement, euh, comment est-ce que vous faites justement pour que, pour que ça fonctionne, en fait, pour que les données soient de bonne qualité euh, Peut-être ouais, Benjamin Alors, on le disait tout à l'heure, euh, il faut diffuser la donnée au plus grand nombre euh, mais donc si on la diffuse au plus grand nombre ce qui est important c'est que tout le monde ait la même information quel que soit son canal et ça c'est la première chose à, à bien comprendre c'est qu'il faut absolument que, que vous utilisiez l'appli ou tout autre moyen d'information euh, vous ayez le même nom d'arrêt, les mêmes positionnements, les mêmes horaires parce que sinon à un moment donné vous allez perdre confiance. Et pour arriver à ça évidemment ça ne se fait pas en, en, en un jour et la qualité de cette donnée là euh, elle ne s'obtient qu'à partir du moment où euh, eh bien, on a pu euh, s'assurer du processus de mise à disposition de la donnée, euh, parce que euh, en ayant un processus unique pour mettre à disposition cette donnée au plus grand nombre, on s'assure, on s'assure pas qu'il n'y ait pas d'erreur, ça arrive toujours les erreurs, mais on s'assure au moins que quel que soit le canal, on a la même information, donc quel que soit le canal de remontée d'une erreur, on pourra la corriger à la source et faire redescendre. Euh, L'information de qualité dans l'ensemble des supports, euh, puisqu'ils seront tous alimentés euh, via une source unique. Pourquoi la qualité de données est important pour l'opérateur Parce que, euh, encore une fois, euh, moi je suis rennais, Si jamais dans la, mon application, euh, je, me, je fais un trajet pour aller à la mairie et qui me met à un kilomètre de la mairie, je, je vais m'y retrouver. C'est pas très grave. Par contre, euh, vous qui êtes Nantais, vous venez à Rennes, euh, je vous dépose à un kilomètre de la mairie, vous la voyez pas. Euh, vous allez être perdu, je peux être sûr que la prochaine fois que vous reviendrez à Rennes, vous prendrez un taxi. Donc c'est hyper important que la donnée soit de qualité parce que sinon euh, on perd la confiance de l'usager et donc pour qu'elle soit de qualité, il faut la qualifier euh, et il faut s'assurer que quel que soit le média, euh, on ait la même information pour qu'une erreur soit remontée au plus vite et qu'elle puisse être ainsi corrigée au plus vite pour que l'utilisateur ait confiance dans ce qu'on lui propose. Parce que, encore une fois, euh, quelque part, quand je vous allez télécharger l'appli, c'est brandé, Rennes Métropole c'est brandé Star, vous avez d'emblée confiance, quelque part, dans, dans l'outil. Dans un outil, peut-être comme Google Maps ou Apple Plan, vous dit, bon, il y a les données du réseau de Rennes, mais en même temps, il n'y a pas marqué, il n'y a pas le logo, etc. Vous, vous ferez confiance à l'outil, mais les données, vous vous poserez toujours la question, ah, je ne suis pas certain ce qu'elles sont à jour, etc. Donc, à nous de faire en sorte que ces données soient de qualité pour que derrière, avec des outils quels qu'ils soient, notamment des outils de, 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 de grosses sociétés privées, vous puissiez aussi avoir confiance et dans l'outil et dans la donnée. Mathieu, du coup, sur cette question justement de la qualité de la donnée, euh, parfois il, il arrive, euh, par exemple, on parlait tout à l'heure, euh, juste avant cette table ronde, euh, des données euh, du réseau de PACA, hein, de la région PACA, qui euh, aujourd'hui, et c'est le cas dans, dans beaucoup de régions, hein, euh, présentait un jeu de données où il y avait des arrêts qui étaient placés au milieu du désert du Sahara. Euh, C'était des erreurs, euh, des erreurs qui peuvent arriver dans le jeu de données. Qu'est-ce qu'ils vous disent vos usagers, vous, quand, quand ils voient des, des, une information voyageur de ce type-là euh, avec des arrêts mal placés On ne va pas citer le, le producteur de, de cette information. Non, c est, c est, euh, nous on a l'habitude euh, depuis très très longtemps de... de... Mmh. Disons depuis euh, 7-8 ans, on récupère des informations euh, euh, d'horaires de, théoriques euh, qui ont été partagées en open data ou, ou via des conventionnements avec, euh, avec des opérateurs. Euh, nous, l'intérêt, c'est de pouvoir avoir sur. Euh, on parle beaucoup de Google Maps, de. de d'Apple Plan ou, ou d'autres applications un peu, plus, euh, un peu plus connues, nous here we go sur, 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 sur les applications mobiles, ça nous permet d'avoir euh, énormément d'usagers de, 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 qui vont utiliser plus de transport, plus de types de, de, de modes de transport euh, sur, sur, sur un, un, trajet, un trajet X ou Y. Et l'intérêt de la, la puisqu'on parle de qualité d'information. Euh, c'est de pouvoir avoir l'information voyageur qui est entre guillemets officielle euh, qui, qui, qui vient de, 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 de la collectivité ou du, ou délé, du délégataire de, de service public euh, pour qu'on puisse vraiment avoir la même information euh, c'est euh, je reviens aussi à l'intérêt du, du point d'accès national. C'est euh, la possibilité pour nous de faire remonter l'information, chose qu'on faisait déjà auparavant directement avec les, les opérateurs. On a, on a cette capacité, euh, étant quand même globale, d'avoir des implantations géographiques dans, dans, dans la plupart des pays sur lesquels on, on travaille des, des, des données. Euh, donc, on, on est derrière un téléphone ou derrière une boîte, une boîte mail et on peut discuter avec euh, le producteur de l'information pour euh, lui dire, ben là, il y a, y a tel ou tel arrêt qui est, euh, qui est dans le désert euh, algérien, ou euh, travailler sur cette, euh, sur cette mise, euh, cette, euh, ouais, cette, cette qualité euh, améliorée. Euh, et Sarah, du coup, euh, oui. je sais qu'à Nantes Métropole, c'est un travail que vous avez commencé euh, assez récemment. Est euh, comment est-ce que vous faites, du coup, pour, euh, pour assurer la qualité de ces données euh, alors, pour l'instant, en fait, euh, est, euh, on est un peu dans l'état des lieux euh, de comment est produite la donnée et pour quels usages on souhaite l'utiliser. Notre donnée euh, transport public, euh, en, la, la donnée théorique, elle est en open data sur la plateforme de Nantes Métropole depuis 2012 déjà. Et elle est réutilisée dans, dans le calculateur d'itinéraire Destinéo et dans, dans, dans ma poche. Et du coup, elle est accessible à tout le monde. Il y a déjà des, des applis locales et, et autres qui, qui l'utilisent. Euh, mais notre problématique, c'est que euh, ce que disait Benjamin tout à l'heure, le, le, c'est la production de cette donnée-là. Pour ses usages externes, elle est faite de façon spécifique, et pour les usages internes, elle est faite d'une autre façon. Donc, euh, que ce soit pour la donnée théorique ou la donnée temps réel, d'ailleurs, euh, l'objectif que j'ai, c'est de rationaliser la production pour n'avoir plus qu'un canal de production par l'opérateur et une seule source de mise à disposition, qui sera ensuite réutilisée par tous, justement pour arriver à ce qu'expliquait Benjamin, c'est-à-dire que l'opérateur, ensuite, il sait que quand il a une correction à faire, il la fait à un seul endroit, et ensuite, une fois qu'elle est faite, elle va se diffuser partout, et du coup, n'importe quel réutilisateur va pouvoir en bénéficier, et surtout au bout, pour moi, c'est n'importe quel usager aura la bonne information qui s'affiche, et il n'aura pas son appli euh, du réseau qui lui dit un truc, et peut-être dans ma poche qui lui dit autre chose, ou ou son appli Google, si un jour on, on finit par avoir euh, l'information sur Google aussi, euh, qui lui dit encore autre chose. Donc, euh, nous, on est dans ce processus, on démarre. Donc, euh, pas à pas, on va, on va remonter le fil pour euh, assainir cette production et l'harmoniser. Et, et, et en effet, c'est bien la clé. Alors, ça ne se fait pas en un jour. Hein. <laughs> Vous aurez le plaisir de le voir. Mais c'est vrai qu'une fois que c'est terminé, on a la chance d'avoir un seul canal. C'est-à-dire qu'on rationalise, d'une part, la production de la donnée. Euh, évidemment, en termes de coût, on n'a plus qu'un canal de production de la donnée, une seule façon ensuite d'alimenter tous les outils. Donc, on a quand même un, un gain certain au-delà de la qualité pour l'utilisateur, mais même dans la, la production de la donnée, euh, c'est important de le voir. C'est-à-dire que voilà, l'ouverture de données, ce n'est pas qu'un coût à terme, hein, c'est aussi un gain. Euh, et puis un confort, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir peut-être plusieurs utilisateurs qui font aujourd'hui le même métier dans l'entreprise pour produire des données qui à la fin sont différentes, et du coup en plus. Euh, bah, créer un mécontentement pour l'usager, euh, c'est bien d'avoir une seule personne qui, à un moment donné, euh, peut produire cette donnée et on a la certitude que, euh, quand il faudra agir dessus, on a un interlocuteur à cibler sur lequel on peut venir faire des demandes et ensuite directement tout propager. Il faut vraiment se mettre dans cette, dans cette démarche de consommer ses propres données. C'est le seul moyen de faire de la qualité parce que euh, bien on s'oblige nous-mêmes à produire de la même qualité puisqu'on devient nos propres consommateurs, on devient un consommateur comme n'importe quel consommateur externe de nos propres données, ce qui fait que si un jour on veut imaginer des usages innovants qui nécessitent de nouvelles données, eh bien on se met dès le départ dans la réflexion de l'ouvrir au plus grand nombre. Voilà. Donc effectivement l'enjeu le, de la qualité des données, elle est cruciale à la fois pour l'acteur public pour l'agglomération, pour la pour la collectivité qui veut que ses usagers puissent avoir une information fiable sur les transports que ces usagers paient d'ailleurs. Euh, pour l'opérateur de transport, hein, donc Keolis par exemple à Rennes, qui a envie que ses bus soient remplis par, avec des gens. Et pour, mais aussi pour le réutilisateur de données, donc une application comme Here We Go qui vous permet de faire des calculs itinéraires, mais aussi une application comme Mappy, comme Google Maps, etc. etc. Si elle vous procure une information erronée, si votre bus ne passe pas à midi 2, mais en fait est passé à 11h55, eh ben vous allez vous retourner non pas contre, contre Rennes Métropole ou Nantes Métropole, vous allez vous retourner contre Google Maps parce que c'est cette application-là qui vous a donné cette information-là. Donc cet enjeu de la, de, de la qualité, de, de, de la... La donnée, elle est partagée euh, par euh, les trois types d'acteurs et c'est pour ça qu'on a essayé euh, sur transport.data.gouv.fr de réunir ces trois types d'acteurs pour euh, essayer de, de, de les inciter à faire ce travail ensemble, de, 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 de contribuer tous les trois euh, au travail de, de mise en qualité de la donnée et faire en sorte qu'à la source, euh, le fichier produit, le fichier de jeu de données qui décrit le réseau de transport de Rennes, celui de Nantes, celui du Mans, etc., etc., soit de bonne qualité. Vous pouvez d'ailleurs aller voir hein, ce site est public transport.interp.fr. Vous allez sur la, le, jeu, le jeu de données de Nantes Métropole ou celui de, de, du Mans, par exemple. Vous allez avoir des discussions entre des opérateurs, des, 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 des réutilisateurs de données et, euh, et l'acteur public pour arriver à un jeu de données de qualité à terme. Euh, souvent. Sur cette question d'ouverture des données, qui est en fait une obligation légale depuis 2015, il y a une loi. Donc c'était un article de la loi de la loi Macron à l'époque qui dit que les autorités de transport doivent publier immédiatement, gratuitement et librement les informations, les données relatives à l'information voyageur. Bon, il se trouve que cette loi, elle a jamais été vraiment mise en œuvre à 100 hein. Il y a, en janvier, il y avait quoi Il y avait peut-être une dizaine d'agglomérations sur 330 qui publiaient leurs données en open data. Une des grosses raisons de, de ça c'était la, la peur de la réutilisation de la donnée par les gaFA euh, par Google, par Apple Maps, par euh, Facebook etc, etc. Euh, Les collectivités les élus disaient ah mais je n'ai pas envie de donner mes données d'offrir mes données sur un plateau d'argent euh, à des acteurs euh, comme Google ou comme Apple. Est-ce que ça s'est posé ça comme euh, question euh, à rennes par exemple? Alors à Rennes, la question s'est posée et depuis un petit moment déjà puisqu'on a ouvert les données théoriques là aussi depuis presque sept ans maintenant. Euh, il y a sept ans déjà, Google allait promettait, enfin en tout cas, donner la possibilité de d'ouvrir ces données sur Google Maps de manière évidemment beaucoup moins évoluée que maintenant. Euh, et s'est posé la question euh, évidemment au niveau de la métropole et de l'opérateur, savoir si euh, on souhaitait ou pas que Google utilise nos données. Il y a eu une, une position, alors évidemment il n'est pas question de donner un blanc-seing aux au GAFA, euh, mais une position qui peut aussi s'entendre et que Sarah pourra peut-être nous, nous tailler après de dire, ben voilà, en effet les GAFA aujourd'hui, on n'est pas très très chaud pour y aller, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire de nos données, euh, au niveau de la licence, on est un, un, petit peu, un petit peu à la limite, et donc le, le parti pris de la métropole était de, de ne pas le faire. Et petit à petit, avec euh, bah, on va dire la démocratisation, un petit peu l'ouverture de données, un petit peu partout, et puis de, de plus en plus de réseaux aussi qui ont ouvert leurs données, c'est posé la question de se dire, mais finalement, et nous opérateurs, on est retourné voir plusieurs fois à la métropole pour dire, mais qu'est-ce qu'on risque Quel est le risque d'ouvrir nos données à Google, pour l'exemple, mais le, la, la problématique est strictement la même pour Apple, Facebook. Qu'est-ce qu'on risque Eh bien, on est arrivé à la conclusion que le seul risque c'était de remplir nos bus. Ce qui en soit est quand même l'objectif de base partagé avec l'autorité organisatrice, faire en sorte que potentiellement des gens qui aujourd'hui sont dans une voiture, on arrive même dans un bus. Et donc, euh, on a pris le parti pris euh, il y a à peu près six mois avec euh, l'autorité organisatrice, et bien de euh, signer avec Google cette, euh, cette convention qui fait que, bien, réutilisent bien, il réutilise stricto sensu le même format qu'on met sur notre Open Data, le, euh, le format GTFS pour les horaires théoriques il l'intègre dans Google Maps, ce qui vous permet, si jamais vous avez envie de venir passer une bonne soirée ce soir à Rennes, eh bien de taper maintenant sur votre mobile, sur Google Maps, d'aller Place Sainte-Anne, et on vous fera un trajet automatiquement avec, je pense, un peu de marche à pied jusqu'à la gare, un TER, et puis euh, deux stations de métro pour rejoindre la Place Sainte-Anne. C'est toujours plus, plus sympa qu'un... Alors, j'ai rien contre les taxis, mais c'est toujours plus sympa d'aller rapidement en plein centre de Rennes en trois minutes depuis la gare. Euh, donc voilà, c'est ce qui permet aussi... Euh, d'aller de, chercher des utilisateurs qu'on n'aurait jamais été chercher parce que, encore une fois, on n'a pas demandé à chacun d'avoir chaque appli de, de transport de toutes les villes, des 330, tu disais tout à l'heure, villes sur son téléphone. Euh, et donc, on a ouvert. Euh, et en effet, aujourd'hui, on ne peut pas dire, on a, on a, comme certains réseaux à l'entrée, on a une hausse de la fréquentation. Évidemment, ce n'est pas forcément grâce à ça. En revanche, les seuls chiffres qu'on est capable d'avancer, c'est qu'on a 900 000 requêtes d'itinéraires par semaine sur Google Maps. Ça peut paraître beaucoup. Euh, mais c'est tout bête, c'est qu'aujourd'hui, euh, quand vous faites un calcul d'itinéraire sur Google Maps, par exemple, pour aller d'un point à un point B en voiture, euh, là où avant, en transport en commun, on ne vous proposait rien ou du Uber, euh, automatiquement, sans que vous n'ayez rien demandé, on va vous proposer du transport en commun. Vous cliquerez peut-être pas dessus, mais à côté de la petite icône voiture 25 minutes, on vous dira vous avez une solution de transport en commun en 40 minutes, et peut-être qu'un jour vous allez aller l'explorer, voir que finalement. Un quart d'heure pour 1,50€ comparé au coût euh, euh, kilométrique de voiture, ça peut être intéressant. Et on aura au moins suscité l'intérêt d'utilisateurs qui ne connaissaient pas du tout notre offre. Mais pas du tout, qui n'avaient jamais pris le temps d'aller sur notre site internet, sur notre appli, qui ne connaissaient peut-être même pas le nom du réseau. Donc on s'adresse potentiellement à des clients qu'on n'avait jamais vus. Et donc c'est tout l'intérêt d'ouvrir au GAFA. Après, il y a des conditions juridiques, etc., euh, qu'il qu faut euh, bien évidemment analyser. Euh, et puis, euh, mais là, c'est quelque chose que Kishan qu détaillera peut-être un peu plus tard aussi, le poids d'un, entre guillemets, pour Google, Rennes est une toute petite ville. Euh, le poids d'une petite ville versus euh, Transport DataGouv, euh, forcément, avec Transport DataGouv, et on y viendra je pense, tout à l'heure, on a un peu plus de poids à peser dans la balance. Peut-être que Sarah peut témoigner ouais, vais, du coup. Je vais euh... rebondir là-dessus. Donc, on, on avait entamé la même démarche que Rennes Métropole et Keolis euh, avec la TAN et puis euh, euh, les collègues du, du, du département numérique chez nous pour travailler en bilatéral avec Google pour leur mettre à disposition notre GTFS de données théoriques, du coup, de transport, euh, pour le faire monter en qualité et vérifier qu'il était aux bonnes normes pour être utilisé par Google on a passé pas mal de, de mois à travailler là-dessus, et puis fin décembre, euh, on a eu connaissance de... Fin décembre, donc 2017, on a eu connaissance de, de la plateforme transport.data.gouv et de, de l'initiative qui était portée. Et on s'est dit, euh, parce que, justement, politiquement, il y avait des réticences euh, à donner euh, notre offre de transport théorique euh, à Google, comme ça, euh, sans savoir ce que ça allait nous apporter, à part le fait, effectivement d'offrir l'information à beaucoup plus de personnes et du coup de, de leur permettre d'utiliser le réseau de transport. Mais bon, on sentait que politiquement, ça, ça gênait un peu et du coup, on trouvait que la philosophie de se raccrocher à la, à la plateforme correspondait mieux à ce qui était défendu à Nantes-Métropole. Donc on s'est dit, bon, on a bien avancé techniquement avec Google, mais Google peut très bien être un réutilisateur des données via la plateforme et la plateforme prévoit une licence. Avec, euh, Ishan t'expliquera ça mieux que moi, mais avec euh, des conditions particulières d'utilisation à l'ODBL qui permettent que ce soit réutilisé plus facilement par Google, alors que nous, sur notre plateforme Open Data, les données, elles sont li en licence ODBL. Donc on s'est dit, bah voilà, euh, on, on va stopper la, la relation directe avec Google, on, on attend que, que la discussion s'entame à, à l'échelle nationale, parce qu'effectivement, on ne se sentait pas non plus très costaud d'être tout seul. Euh, avec eux, même si euh, la relation était très bonne, hein, mais on se dit que si on est plusieurs, on obtiendra peut-être plus facilement un cadrage euh, que de faire ça en bilatéral chacun dans notre coin. Oui, alors je vais revenir donc, très rapidement sur cette question juridique sans vous endormir. Euh, L'open data en général, c'est ce qu'on défend à ETALAB et à la direction du numérique. Euh, est agnostique du réutilisateur. Hein, donc, euh, euh, on doit euh, lever au maximum les barrières à la réutilisation de la donnée. Euh, et donc, euh, sur les données de transport euh, et la question des GAFA, quand on a consulté la plupart des, des producteurs de données, hein, des agglomérations, on nous disait, mais oui, mais nous, on n'a pas envie de mettre euh, nos, nos données sans condition de réutilisation aucune euh, à disposition des GAFA, on veut des contreparties. Et on s'est dit, bon, on va essayer de trouver quelque chose qui puisse. Euh, euh, qui puisse créer un consensus, et on s'est dit qu'on allait proposer une licence ODBL. Donc une licence ODBL, c'est une, une licence qui est affectée à un jeu de données et qui dit en gros que si vous utilisez le jeu de données, si Google Maps, si Air Technologies utilise un jeu de données qui décrit les réseaux de transport de, de, de Nantes, euh, Google Maps est tenu de repartager, ou Air Technologies est tenu de repartager l'ensemble des modifications, améliorations, enrichissements euh, qu'il... Qu'il fait subir au jeu de données, donc qu'il fait profiter au jeu de données. Et donc, on a essayé de, de pousser pour cette licence-là. On l'a affectée d'une clause en fait qui, qui limite ce périmètre de repartage. Donc, c'est un peu technique, mais on pourra y revenir pendant les questions si vous, si ça vous intéresse. Euh, et donc, qui dit en gros que si, euh, je, si Nantes Métropole met dans le pot commun dans, en open data des arrêts de bus euh, et que Google se rend compte grâce à ses usagers qu'il y a des arrêts de bus qui sont mal placés dans le fichier de Nantes, eh bien, Google va devoir euh, repartager euh, ces améliorations corrections sur les sur les arrêts de bus qu'il a corrigé euh, et donc voilà c'est le principe général. IR Technologies par exemple fait partie des, des premiers à avoir accepté cette licence et utilise d'ailleurs je sais pas on peut peut-être peut dire combien on en est à combien de couverture là sur euh, les réseaux de transport français sur IR euh, Oui c'est tout l'intérêt de déjà du d'une standardisation euh, du format d'information, de, 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 c'est-à-dire qu'on nous on peut être très réactif euh, vu, qu', vu que le, le, le format a été validé euh, et, et la façon dont on, dont on partage, dont les opérateurs les, euh, les services de mobilité partagent l'information, nous permet d'être très réactifs et de pouvoir gérer, euh, intégrer l'information en, en, en un ou deux jours. Euh, on est, euh, quand, quand un jeu de, de données euh, se diffuse sur, euh, sur transport.data.gouv.fr, euh, le lendemain, on peut, on peut l'avoir dans, dans nos solutions de mobilité. Et donc, on en est à 38, euh, 38 ou 39 flux d'informations euh, à gérer jusqu'à l'heure actuelle. Il manque Bézier et, et euh, le dernier des Pays de Loire de Destinéo euh, qui, qui n'est pas, pas intégré. Mais simplement pour, pour faire prendre conscience aussi, euh, vu que nous dans chez Air Technologies on peut on peut avoir on peut avoir un peu une vision un peu plus globale c'est à dire que euh, sur euh, sur tout ce qui est transport en commun dans, dans dans mon travail quotidien je, je, je travaille uniquement sur la France j'ai des responsabilités pour pour le vélo sur sur l'Europe mais il euh, faut il faut avoir conscience qu'il y a beaucoup de pays euh, en Europe du Nord où on peut citer la Suisse où euh, où en fait on a un seul interlocuteur pour tout un pays euh, donc c'est vrai que c'est bon on n'en est pas là en France et c'est pas forcément un problème. Mais, mais cette initiative du point d'accès national est vraiment euh, très très bénéfique pour la réutilisation, pour l'exposition des, euh, des, des données euh, des données de transport. Et donc pour l'information voyageur, euh, enfin, cette, cette open data en fait, on s'est rendu compte assez vite que ça bénéficie euh, vraiment euh, très rapidement aux usagers finaux, donc aux, aux, aux habitants d'une agglomération euh, euh, ou, euh, ou aux touristes d'ailleurs. On, on s'en est rendu compte par exemple quand on a ouvert les, les données de, de, de Cahors dans le Lot euh, et de Fijac, ces deux agglomérations dans lesquelles il n'y avait pas d'application pour savoir à quelle heure passer son prochain, son prochain bus. Deux jours après, il y a une application qui s'appelle Transit et je crois même que Here We Go s'est déployée là-bas qui était disponible sur les stores, donc sur l'Apple Store et sur le Google Store, pour à coût zéro pour pour l'agglomération. Euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui Alors du coup, parce que alors je vais, on va on va conclure avec, avec cette dernière question. Euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui Quelles sont vos difficultés et quelle est votre vision de l'avenir, en fait, sur cette question de la, la data dans les transports. Donc, je vais poser la question à Sarah, d'abord, sur Nantes Métropole, à Benjamin sur, sur Rennes, euh, et peut-être, Mathieu, tu pourras nous donner une vision européenne sur euh, qu'est-ce qui se passe dans les autres pays et quels sont les, les défis euh, que tu, tu rencontres en France. Alors, euh, les, les plus grosses difficultés, en fait, c'est de trouver... Euh, où sont produites les données vraiment brutes et quel parcours il va falloir modifier pour, pour uniformiser la mise à disposition et quelles branches on va couper pour les remplacer par d'autres points d'accès. Donc la donnée, elle est produite, parfois elle est produite dans différents formats aujourd'hui pour différents usages, en interne pour la TAN par exemple et puis après en externe pour l'open data. Demain, ce que je. J'aimerais vraiment obtenir, c'est que mon opérateur, il produit la donnée une fois dans un seul format, il la réutilise pour lui-même. La même donnée, elle est disponible en open data pour tout le monde. Et ensuite, quand je fais du destinéo, du Nantes dans ma poche et du Naonetbus par exemple, ou du Air Technology, je viens chercher cette donnée sur la plateforme open data. Alors, soit Nantes Métropole, soit le transport.data.gouv.fr. Et du coup, j'ai une seule et même information disponible. Voilà. Et ça paraît rien, mais je sais que le chemin est long. <laughs> et là, on a parlé que de la partie transport public. Je m'occupe aussi des données vélo. Ça viendra pour le covoiturage. On parle de l'autopartage. Enfin, L'idée, voilà. c'est vraiment de faire du multimodal pour l'ensemble des usages des modes. Alors, à Rennes, on a la chance d'avoir un peu plus de. Voilà, on a commencé en 2010 Open data, donc d'avoir un peu plus de recul et d'être dans une phase où, on va dire que l'apport de transport d'atagou va être idéal, puisqu'on était justement dans cette phase de réflexion d'ouvrir maintenant les données à des grands groupes. On avait commencé un tout petit peu avant qu'on soit mis en contact avec Ishan, e donc on a fini de mettre à disposition chez Google. Évidemment, on souhaite continuer avec d'autres acteurs. Euh, on a stoppé la démarche justement en attendant que ça avance côté transport DataGouv pour s'inscrire eh dans la, la droite lignée de tout ça parce qu'en effet euh, on n'a pas forcément ni le temps, ni l'énergie, ni la force de frappe d'un transport DataGouv euh, pour aller voir ensuite un Apple, un Facebook via les technologies de ir qui sont intégrées dans, dans Facebook pour intégrer nos données euh, le plus large possible et puis si demain... Peut-être, euh, eh bien, Amazon intègre euh, je ne sais quel euh, format pour les, les données de transport. Eh bien, si Transport Data Goof s'en occupe pour l'ensemble de la France, nous, ça nous fait ça de moins à faire. Et on est certain de toucher toujours le plus grand nombre, ce qui est bien notre objectif. Il y a cet aspect nombre et il y a ensuite l'aspect euh, qu'est-ce qu'on met dessus. Aujourd'hui, c'est vrai que tous ces formats euh, autour du bus, du métro, du tramway, etc. sont très développés, très standardisés, très répandus. Euh, sur tout ce qui est mobilité un peu plus euh, entre guillemets euh, euh, nouvelle ou durable, comme du, euh, du, du vélo en libre service, du free-floating, du covoiturage, il euh, y a d'une part euh, encore beaucoup, euh, c'est très hétérogène un petit peu dans toute la France la façon de le faire, etc. C'est très hétérogène au niveau technique dans les formats. Et puis euh, et c'est là où on arrive aux, aux limites et où Transport de Tagou peut nous aider, c'est que euh, aujourd'hui les, les formats de données un peu standards sont souvent impulsés par les, les Américains, et pour lesquels les, on va dire, les, les moyens durables ne sont pas forcément les priorités. Et donc si on veut standardiser des formats de mise à disposition de données de vélo pour 330 réseaux urbains et peut-être d'autres, il va peut-être falloir que ça vienne d'une grosse entité euh, comme Transport DataGoo, qui va essayer de travailler avec des filiales un petit peu pilotes sur un format de données. Euh, cohérent pour tous, que chacun des 330 réseaux et plus pourrait produire, et ensuite aller voir chacun des grands groupes et dire voilà, aujourd'hui je peux vous apporter toute la France en, libre, en vélo libre service, euh, et maintenant voilà le format euh, qu'on a convenu, et est-ce que vous pouvez l'intégrer Sachant qu'un tel l'a fait, ça peut être bien de le faire, et c'est là où on a besoin de la force de frappe, et c'est un peu notre, notre prochaine étape sur bah, ces mobilités nouvelles ou, ou durables. Mathieu Oui, je. je... Conclure sur, sur l'état des lieux, c'est vrai qu'on a tous plus ou moins le même objectif qui est de, de promouvoir euh, une combinaison de, de, de modes de transport et, et de moins privilégier euh, les voyages en, en, en véhicule, surtout euh, seul dans un véhicule, euh, même si le, le, la voiture autonome va, va peut-être voir le jour euh, dans quelques années. Euh, du coup, euh, moi ce qui m'intéresse, de, de, pour, 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 pour finir sur l'état des lieux, c'est vrai que c'est intéressant le, le, la thématique des vélos, puisque euh, euh, contrairement au transport en commun, où en Europe euh, on peut avoir certains pays qui sont couverts euh, à quasiment à 100%, ce qui est le cas de, euh, de, du Royaume-Uni, de, de la Suisse, de quasiment la totalité des pays nordiques. Euh, si on, si on, si on, si on, on zoome un peu sur la France, l'Italie, l'Espagne, on est un peu sur les mêmes problématiques. On a euh, une donnée très hétérogène et un accès à la donnée euh, très, très différent. Donc euh, pour nous, c'est vraiment un, un, un plus énorme d'être branché, connecté à ce genre d'initiative euh, nationale. Euh, voilà, donc pour l'instant, nous, dans nos solutions, on a des combinaisons qui sont déjà... Euh, effective euh, pas pour le moment sur, sur, sur les, les applis euh, grand public euh, type Eruigo comme, comme, comme on a chez nous euh, mais plutôt dans des, euh, dans des API en, en B2B euh, le, par exemple les parcs, tout, tout ce qui est parking relais en, en report modal euh, est associé à, à nos calculs d'itinéraire voiture bon, c'est un bon début et donc le but du jeu c'est de, de pouvoir y associer L'ensemble des, des données de tous les modes de transport. Merci beaucoup. Donc, effectivement, sur la. d'un point de vue transport.data.gouv.fr, l'objectif qui a été fixé pour 2018 était d'arriver au maximum à 100% de transport public dans le smartphone de tous les Français, donc dans les 330 agglomérations. On y arrive petit à petit. C'est des, des agglomérations qu'il faut à chaque fois convaincre parce que chaque agglomération est propriétaire euh, de ces données. Euh, très rapidement, là, on a lancé euh, il y a quelques semaines euh, des travaux sur les aires de covoiturage, hein, donc des données qui, qui peuvent permettre à BlaBlaCar par exemple, ou à des technologies comme Here ou à TomTom ou à vos GPS euh, habituels de vous dire où vous pouvez vous arrêter pour prendre un covoiturage euh, euh, de manière euh, sécurisée. Euh, on va bientôt. Travailler sur l'électromobilité, donc sur les bornes de recharge de véhicules électriques. Ce sont des données précieuses pour justement alimenter tous ces services dont je vous parlais tout à l'heure. La semaine prochaine, on commence à travailler sur les métros, trams, bus en temps réel. Donc il y a un autre chantier parce que là, il va falloir trouver un moyen d'obtenir chaque minute la position ou en tout cas les heures de passage actualisées de, de 330 réseaux de transport en France. Donc bon, c'est un défi technique, c'est un défi juridique et, et, et c'est même un défi politique. Donc on lance les travaux la semaine prochaine à Paris avec une. 80 acteurs des, des différents euh, des différentes services, donc privé, public, etc., etc. Et puis petit à petit, on ira vers les pistes cyclables, on ira ouvrir euh, les, les données relatives euh, au, au trafic, les données de Bison Futé, par exemple, euh, etc., etc., etc. Air France, l'écart Macron, etc. etc. Donc euh, l'idée étant sur transport.data.gouv.fr, euh, d'atteindre l'exhaustivité des données de, la, de mobilité pour permettre aux usagers de faire du multimodal et d'avoir de, des déplacements d'un point A à un point B euh, facilités, qu'ils veuillent prendre le métro, le bus, le vélo, la trottinette euh, ou que sais-je encore. Euh, voilà, on va, on va conclure ici. Je crois qu'il reste 5 à 10 minutes pour des questions. S'il y a des questions dans la salle. Oui, monsieur. Alors, je ne sais pas si on donne un micro ou. Euh Moi j'ai juste une question euh, que je me pose par rapport à la donnée, à la qualité de la donnée et ce que vous en faites avec Google et autres. Hein, je suis un utilisateur de, de Google Maps comme d'autres. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas l'audace d'avoir un, une application euh, Transport France qui euh, utilise de la donnée de qualité en temps réel et statique et ou euh, revendre la donnée euh, qui est de qualité avec du temps réel, à des acteurs extérieurs, sachant que l'open data peut être une donnée de qualité, on va dire, faible, c'est-à-dire juste les données statiques, et d'avoir des offres un peu plus premium, comme ce qu'est en train d'essayer de faire la ville de Lyon, par exemple. Est-ce que, est que, est que vous avez ça un peu dans, en tête, ou c'est quelque chose Alors. inabordable alors, euh, je vais prendre la deuxième question d'abord puis la première. Euh, sur la deuxième question, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas payer euh, la donnée de qualité euh, à Google, à IR, etc., etc. Tout simplement parce que euh, cette donnée-là. Premièrement, on a considéré dans la loi depuis 2015, et même c'est une directive européenne, donc ça date de 2010, que ce sont des données d'intérêt général qui, sont, qui ont vocation à être mises à disposition de tout le monde sans, sans discrimination, parce que ce sont des données qui permettent d'avoir une information sur des choses qui sont payées par, par vous et moi, qui sont les transports publics dans un premier temps. Et petit à petit, en fait, on est même arrivé au transport privé en se disant que la mobilité, c'était vraiment quelque, un sujet d'intérêt général. Euh, la, la deuxième raison pour laquelle on ne fait pas payer, c'est que ça ne marche pas. Lyon a essayé de faire payer ces données. Aujourd'hui, les transports publics de Lyon ne sont pas affichés sur Google Maps. Euh, D'ailleurs, on peut demander à Mathieu si hier si Technologies a déjà payé pour des données de ce type-là. Sur Lyon, non. Euh, sur Paris, oui. Mais euh, du coup, euh, c'est une question qui va se poser. Oui. Euh... Euh, pour nous, il paraît assez évident que le, les horaires théoriques ne euh, feront pas l'objet d'une tarification euh, euh, liée à toute la réglementation qui est derrière. Après, euh, euh, on peut aussi comprendre que sur, sur, sur de, des données temps réel, qui nécessitent peut-être plus de travail. Euh, alors, je ne suis pas technicien, donc je ne vais pas trop me rendre compte, mais euh, c'est des, des enjeux euh, qui seront, qui seront peut-être à avoir dans les, dans les mois qui viennent. Alors pour, pour répondre à la question sur le, le côté d'une part qualité de données, euh, nous, le, le parti pris qui a été pris, et comme on l'expliquait, c'est d'avoir une seule qualité de données qu'on utilise nous-mêmes. Donc, on essaie de la faire de la meilleure qualité possible. Euh, le temps réel en soi, euh, on l'a ouvert donc, à, à tous, à hein, n'importe qui peut aller sur notre portail. Vous pouvez consulter le temps réel sans même être technicien. Euh, et euh, lorsque vous créez un compte, vous avez un quota qui est de 10 000 appels par jour à notre API temps réel, euh, qui normalement est largement suffisant d'une part pour un usage personnel, mais même pour des applications. Euh, Faites par des développeurs indépendants. Euh, nous, on partira dans l'idée, lorsqu'on ouvrira euh, des formats industriels à des grands groupes, de partir sur le même principe. C'est-à-dire qu'à euh, partir du moment où ça ne nous génère pas de coûts supplémentaires, on ne le facturera pas. Maintenant, si le grand groupe nous dit, moi j'ai besoin de faire 2 millions d'appels par jour, il faudra certainement qu'on prenne un serveur dédié, ça aura un coût, et donc on ne répercutera ce coût-là qu'à ce moment-là. S'il n'y a pas de coûts supplémentaires, on ne le répercutera pas. L'objectif, encore une fois, et c'est ce que disait Ishan, j'aime bien le côté donner d'intérêt. Général, euh, on est vraiment dans un rapport un peu gagnant-gagnant. Je pense que IR a autant besoin de nos données qu'on a besoin d'un de, 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 vecteur comme IR pour les propager. Donc au final, euh, le, le, la différence de coût entre l'ouvrir pour n'importe qui ou l'ouvrir pour IR, si elle n'est pas beaucoup plus élevée, on ne va pas la refacturer. Et, et je reprends du coup votre première question pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un IR national payé par l'argent, par les données publiques euh, alors moi, je travaille à la direction interministérielle du numérique de l'État, et, et je vais être un peu cynique en vous disant que euh, on a des informaticiens très bons, on a des, des équipes très bonnes, mais on est incapable de faire un Google Maps. On est incapable de faire un Air Technologies. On est incapable de faire un Mappy euh, aussi bon que Mappy. On est aussi bon que Air Technologies. Pourquoi Parce que c'est pas notre métier. Euh, deuxièmement, euh, l'autorité de la concurrence nous tomberait dessus. Hein. C'est un, une, euh, une activité qui tombe sous le... la concurrence, et ce qui est normal. Et troisièmement, euh, si jamais l'État mettait en place euh, un, un, un France Maps euh, public, euh, si France Maps tombait, l'État français euh, s'en remettrait en fait. C'est pas son cœur d'activité. De, de, en revanche, si euh, si euh, le calculateur d'itinéraire de Here Technologies tombe, hier euh, Technologies n'existe plus. Parce que c'est son métier, parce que c'est un, enfin, un service de mobilité. Et ça, faut, faut c'est aussi pour ça que, que, que l'État est incapable de, de se lancer dans des grands projets euh, informatiques de ce type-là. Et c'est une des raisons pour lesquelles, pour lesquelles on ne le fait pas. L'autre raison, c'est que euh, derrière euh, l'utilisation, la, la mise en service d'un tel service de mobilité, euh, il faut des équipes énormes. C'est des dizaines de personnes, voire des centaines de personnes. Qui font de la maintenance, qui font de la mise en qualité de la donnée. Hein, et on sait que hier, Technologies, par exemple, participe à la mise en qualité du pot commun. Euh, donc on a besoin de ces gens-là aussi pour participer à l'intérêt euh, général et donc à la, et, et tirer tout le monde vers le haut. Euh, et, euh, et mettre des équipes de support usagers, euh, de support technique, euh, ça coûterait euh, extrêmement cher euh, en termes d'argent public. Donc on s'est dit que euh, le rôle de la puissance publique c'est de mettre en open data et de favoriser la réutilisation de ces données-là, de rendre l'information la plus disponible possible pour tous ceux qui souhaiteraient l'utiliser. Et donc voilà. Est-ce que ça répond à votre question Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui. Oui, quand vous évoquez la réutilisation... Enfin le... Le, le retour des données par l'utilisateur en cas de modification. Déjà, qu'est-ce qui vous garantit que les règles du jeu sont bien respectées par les différents réutilisateurs C'est-à-dire que s'ils modifient, ils repartagent auprès du fournisseur d'origine. Et de deux, que cette donnée est effectivement enrichie et pas, suite à une erreur haute, dégradée. C'est-à-dire que, quels sont les processus de vérification euh, un peu dans ces itérations-là alors, je vais répondre. Aujourd'hui, nous, on va dire sur euh, les, donc les données que l'on ouvre, euh, comme je disais, on les réutilise nous-mêmes via notre propre application euh, Starl'Appli, et donc, qu'on peut presque considérer, hein, puisqu'on réutilise nos propres données ouvertes comme une appli euh, quasi indépendante, sur lequel on a une fonction qui permet de signaler une erreur sur les données. Et ça nous remonte de manière très naturelle par des fonctions qu'on a fait développer, euh, qui remontent à notre centre de relations clients, qui vérifient et éventuellement remontent. Au, au comment au, au service fournisseur de la donnée source pour qu'elle soit corrigée dans une prochaine itération euh, pour ce qui est euh, des applis tiers, c'est notamment les grands groupes aujourd'hui donc on l'a ouvert à, à Google euh, pour répondre à la question euh, quelle est la garantie aucune à ce jour euh, tant qu'on ne sera pas passé par euh, les services d'Ishan e et qu'il n'y aura pas une convention bien propre etc on n'aura aucune garantie en revanche à chaque fois que l'on intègre qu un lot GTFS donc un lot d'horaire théorique est intégré à Google Maps euh, il effectue tout un lot de vérification. Il nous sort un espèce de journal de tout ce qu'il a détecté, de choses qui, déjà de base, lui paraissent un peu curieuses. Tout bêtement, euh, il va nous signaler par exemple qu'un arrêt est à plus de 150 mètres du tracé auquel il est censé participer. Ce qui, euh, 150 mètres, est quand même un seuil qui est assez élevé, qui peut laisser supposer qu'il y a une erreur ou dans le tracé ou dans le positionnement de l'arrêt. Quelque part, il nous fournit déjà ces alertes automatiques. Euh, dans un rapport et après on les envoie nous dans nos services internes pour éventuellement euh, les, les faire corriger le, le cas échéant. Après aujourd'hui je sais que Google Maps permet par exemple de signaler une erreur dans un nom d'arrêt. Euh, on n'a jamais eu de remontée. Alors c'est un peu prétentieux peut-être mais euh, normalement nos données sur les noms d'arrêt elles sont euh, nickel chrome parce qu'on s'en sert dans tous nos systèmes. Ce qui fait que peut-être on n'a jamais eu de remontée. Ceci dit je pense que... Allez, parce qu'on en a parlé avec Christian tout à l'heure, je ferai le, le test tout à l'heure de remonter une erreur, même une fausse erreur pour voir... Si elle nous parvient jusqu'à nous, et si oui, par quel moyen. Euh, mais de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que nos données théoriques, on envoie des données théoriques toutes neuves toutes les trois semaines à Google. Euh, et donc, s'ils corrigent une erreur dans un lot, mais qu'on leur en renvoie la même erreur trois semaines après, en fait, euh, ils auront perdu tout l'intérêt d'avoir relevé l'erreur. Donc, je pense qu'il est dans l'intérêt de tout ce que l'erreur arrive jusqu'à nous pour qu'on la corrige à la source, et qu'il n'y ait pas quelqu'un en permanence qui vienne les corriger chez eux, parce qu'on le disait tout à l'heure, à la fin, qu'est-ce qui va dire à la personne c'est pas Star, c'est pas Keyolisren. Ouais, c'est Google Maps qui marche pas en fait. Et le, il va dégrader la note sur le store. Donc je pense que c'est à tester. Euh, c'est peut-être des choses aussi qui vont s'éprouver quand il y aura un plus grand nombre de réutilisateurs. Euh, mais je pense que ça finira par, par remonter. Typiquement, si vous allez du coup, sur la fiche de, de, du Mans, c'est le réseau qui s'appelle la Cetram, euh, sur transport.com.fr, il y a toute une discussion entre un réutilisateur de données qui gère une application qui s'appelle Transit et, euh, et la Cetram, euh, où euh, le réutilisateur de données dit euh, écoutez, euh, là, il y a un problème dans vos données, je ne me souviens pas exactement de quel problème il s'agissait, euh, mais, euh, mais euh, il va falloir qu'on code un script spécifique à votre jeu de données pour le corriger. Sauf que vous allez publier ce jeu de données. Tous les mois pour le mettre à jour, les horaires d'octobre, les horaires de novembre, etc. etc. Donc il va falloir qu'on remette ce script euh, à chaque fois pour corriger votre jeu de données. Et en fait, bah, Google Maps, Mappy, Here euh, Technologies vont devoir coder le même script pour corriger votre jeu de données chacun de leur côté. Donc il vaudrait mieux quand même que je vous signale l'erreur et que vous la corrigez de votre côté pour que la prochaine fois elle se. Et c c'est comme ça qu'on crée un cercle vertueux en fait. La licence ODBL, enfin euh, et l'espèce le, de, de, de contrat implicite qu'on qu qu crée avec ça, sert pas à grand chose. Plus parce que euh, finalement, en fait, c'est dans l'intérêt de tout le monde de corriger la donnée. Quoi. Euh, c est, c est cette licence, elle sert plus à rassurer et, et, euh, et à mettre quelque chose de juridique sur, sur, euh, sur cette réutilisation au cas où. Euh, Google Maps, WIR ou MAPI euh, ne respecteraient absolument pas cette logique de bien commun. Quoi. Donc, mais a priori, euh, pour l'instant, on est plus dans le contrôle a posteriori que le contrôle a priori. On fait confiance aux réutilisateurs de données. Est-ce qu'il y a encore des questions Je ne sais pas si on a le temps pour une question encore. Si, a priori. Oui. Hein on est jusqu'à 45. Ok. Euh, la législation a tendance à pousser à un autre format que le GTFS actuellement. Euh, comment, comment côté transport.gouv on vit ça Est-ce que c'est une opportunité qui serait celle typiquement de fournir des convertisseurs parce que, parce que tout le monde consomme du GTFS en gros euh, ou est-ce que bah, vous faites du lobbying est -ce que, Comment ça se passe Alors, en particulier côté transport.gouv ou même euh, du côté des autorités C'est une très bonne question. On en parlait euh, tout à l'heure euh, également. Alors nous, il euh, faut savoir qu'on euh, travaille avec le ministère des Transports, c'est le ministère des Transports qui finance euh, euh, les travaux d'Etalab de, et de Betagouv sur cette plateforme euh, pour euh, mettre en œuvre le règlement européen qui impose le format NETEX, donc qui est un autre format de données que le format GTFS. Euh, nous, jusqu'à présent, on s'est rendu compte qu'aucun producteur de données, ou peut-être qu'il y en a un ou deux, euh, il y a peut-être un ou deux producteurs de données en France sur les 330 dont je vous parlais tout à l'heure, qui produisent du NETEX aujourd'hui. Donc on s'est dit, euh, si on attend que tout le monde produise du Netex pour faire de l'ouverture des données, on n'est on pas sorti de l'auberge. Donc euh, notre message initial, c'était, euh, venez comme vous êtes, euh, vous êtes une agglomération, vous avez des données en GTFS, on va ouvrir les données GTFS. En plus, c'est cool parce que tout le monde utilise du GTFS. Donc euh, si on veut avoir un impact euh, grâce à l'ouverture des données, il faut du GTFS. Aujourd'hui, hier, si je m'abuse, ne sait pas utiliser du Netex. Non, voilà. Enfin, c'est un format qui est très compliqué. Et je pense que je vais laisser euh, Benjamin euh, euh, expliquer pourquoi. Alors, nous, quelle est la philosophie que nous, on a euh, Effectivement, on... aujourd'hui, le, le consensus, c'est qu'il euh, y aura du GTFS pour toutes les, pour toutes les agglomérations. Il euh, y aura aussi du Netex. Il euh, y aura les deux. Et nous, on s'engage à mettre un convertisseur GTFS vers Netex. Euh, pour permettre aux agglomérations et aux producteurs de données qui n'auront pas les moyens de faire la, con la conversion euh, de pouvoir la faire à coût euh, zéro. Mais voilà, euh, je laisse peut-être Benjamin. Oui, alors S sur le sujet Netex, j'ai pour habitude de dire que Netex est un format formidable, très riche, euh, qui est parfaitement adapté pour échanger des données entre transporteurs, mais qui ont des infrastructures informatiques assez lourdes, euh, et qui ont la... parce que le Netex permet une finesse de données euh, vraiment incroyable, mais alors... et d'une complexité du même coup. Euh, qui, est, qui est faramineuse, ce qui explique très peu de réseaux. Je, crois, je pense que ce doit être Lyon hein, qui doit fournir du NETEX, euh, peuvent le faire. Le problème, c'est qu'on essaye de faire faire à NETEX euh, ce pourquoi il n'est pas fait. C'est-à-dire que NETEX est très bien pour transférer des données entre Keolis Rennes et Keolis Lyon peut-être, mais pas pour l'exposer euh, aux réutilisateurs finaux, que ce soit Google ou que ce soit le développeur du coin. C'est vraiment pas fait pour ça. De la même façon que GTFS ne serait pas du tout adapté pour donner des données de Keolis à Keolis Lyon pour recalculer une offre. En revanche, NETEX est très adapté. Donc, il faut faire attention. Et après, c'est là où, bah, après, ce euh, sera des grands débats, peut-être, euh, politiques et de lobbying. Mais, euh, voilà, aujourd'hui, les formats, euh, le format NETEX, malheureusement, pour exposer des données, c'est pas le plus adapté. C'est très coûteux à produire pour euh, n'importe quel déjà euh, opérateur. Et surtout, aujourd'hui, ni Google, ni IR, et je pense pas qu'Apple le fera non plus, ne sera l'intégrer, Donc, nous, on fait aussi du lobbying au Prédition, qui malheureusement fera aussi ce qu'il peut, mais euh, pour que bah, ce qu'on arrive à mettre sur la plateforme soit réutilisable euh, par les, les grands acteurs, c'est parce que c'est aussi, euh, aussi l'objectif. Il reste une minute. donc, euh, Oui, derrière. Bonjour Florian Pelet, je travaille pour Kizio Digital. Euh, ma question est est-ce que vous pensez qu'il peut exister un risque euh, lié à l'ouverture des données, de désintermédiation de la part de ces tech giants, donc Google et autres, qui vont réutiliser ces données vis-à-vis -vis des opérateurs ou des collectivités Alors en effet, le marché les réglementé, mais c'est des choses qui se sont produites dans d'autres secteurs. À partir du moment où des acteurs ont l'information la plus complète sur l'offre qui existe dans les transports, et d'autre part, vu que leurs applicatifs sont les plus utilisés, ils ont aussi la meilleure information sur le client. Et ils sont donc en tout cas en posture, la meilleure posture pour vendre une offre ou la présenter. Est-ce que vous pensez que c'est un risque plausible ou pas Alors, si je comprends bien, le risque, c'est que Google achète des bus et opère les bus à la place de... Non, Calori, non, pas forcément frontale. acheter des bus, mais simplement vendre l'offre, par exemple des bus, à la place d'opérateurs. Alors, dans le vent de l'offre, il y a le, le bon aspect, c'est-à-dire que si, euh, si Google arrive à convaincre quelqu'un de prendre le bus alors que nous on n'a pas réussi, j'allais dire c'est tant mieux. C'est un peu vexant pour nous, mais c'est tant mieux. Euh, après, sur l'aspect, en effet, et ça, ça pourrait tout à fait s'entendre de dire est-ce qu'un jour ils vont pas acheter des bus et faire le transport à notre place parce qu'ils sauront quel, avec l'offre théorique plus que vont vraiment faire les gens avec le téléphone qui trace les déplacements, quels sont les trajets les plus utilisés, etc. Alors on va dire qu'on a la chance aussi que bah, les, ça soit très réglementé, le transport euh, public, et qu'on ne peut pas prendre un bus comme ça et se lancer dans le transport euh, en France. Donc c'est pour ça qu'on peut se le permettre. En effet, ce serait complètement euh, ouvert, euh, ça, ça serait une réflexion complètement différente, mais on n'est pas du tout là-dedans, on est voilà, sur des délégations de services publics avec euh, l'interdiction sur un périmètre géographique que de, 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 de le faire faire par quelqu'un d'autre. Donc, si quelque part, dans le mot vendre », je vais conserver, euh, s'ils arrivent à convaincre quelqu'un que je n'avais pas convaincu, eh ben, c'est tant mieux. Mais c'est vrai que ça se pose, et je conclurai là-dessus, euh, dans d'autres... Euh, alors là, on parlait du transport public, mais si on parle du covoiturage, imaginons que tous les opérateurs de covoiturage domicile-travail qui existent, Caros, euh, City, Devroom, WeUp, euh, tous ces opérateurs, toutes ces nouvelles startups ou grands groupes d'ailleurs qui se sont créés autour du covoiturage courte distance, euh, décidaient d'ouvrir leurs données à Google effectivement, là, on est sur un marché euh, qui, et c'est la crainte de ces opérateurs-là, qui pourraient être trustés par euh, Google ou par Apple. Donc là, là, le risque se pose. Il se trouve que sur le covoiturage, il euh, n'y a pas d'obligation de, d'ouverture des données, et c'est pas ce qu'on compte faire non plus euh, euh, sur transport.data.gouv.fr, euh, du moins pour l'instant, et à ma connaissance, c'est pas prévu non plus. Merci beaucoup. Merci.